Bonsoir. Tout d'abord, bonsoir. Je veux dire bonsoir aussi à Patrice parce que il a été poli. Il m'a pas dit bonsoir quand il est rentré. J'ai juste dit bonsoir. Donc je trouve que on est des professionnels et la moindre des choses, c'est comment dire, c'est la politesse. Bonsoir. Fred. Prends-moi Fred. Ouais, vas-y. Montre-moi ton cadeau. J'ai dit bonsoir à Fred quand même. Attends, comment un ami belge qui arrive ici, merde. Fred, ferme ta gueule. Fred. Ah ouais. Fred, coupe-lui. Je t'ai pas dit bonjour. Allons-y, Fred. Logique, normalement, on compte sur Yoro, Loresno, on verra. Et je vais le manger. Je vais le manger, je vais lui faire comprendre, comment dire, que... Je vais lui faire comprendre que... Qu'il m'a manqué de respect, il m'a manqué de respect. J'ai voulu être humble. Comment dire, comme mon entraîneur me l'avait dit, j'ai voulu être humble à la conférence de presse, essayer de ne pas rentrer dans ce jeu débile. Mais je me rends compte en fait que contre des personnes comme ça, ben, tu peux pas. Tu sais, j'ai boxé dans le monde entier avec des gens vraiment qui ont vraiment, excuse-moi le terme, des grosses, tu vois. Et il n'y a jamais eu un manque de respect comme ça. Et là, j'ai voulu, comment dire, jouer la carte du professionnalisme, tu vois. Et je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Et non, je vais le manger, je vais lui faire regretter d'être venu en Belgique, je te promets. Et je vais même dire autre chose que si jamais, comment dire, il finit les trois rondes, je le mettrai KO avant, de toute façon, j'arrête la boxe. Il faut qu'il tombe avant. C'est un gros message que je te passe, c'est à toi, regarde-moi bien dans les yeux, regarde. Je te promets que tu tomberas avant. Salut Fredo. Alors comment vas-tu mon frère depuis la dernière fois? Alors, c'était beau le KO, hein? Bon allez, cette fois-ci, franchement tout était nickel la dernière fois, hein, t'as vu? Ah mais tu m'as pas dit au revoir. Bon, c'est pas grave. Mais, il y a un seul truc qui m'a dérangé. Pourquoi tu dis que je suis si irrespectueux? Je comprends pas. Regarde, je t'ai mis bien, je t'ai mis à l'hôtel, je t'ai donné, je t'ai dit, j'ai une parole. Je t'ai mis bien. Et toi, tu... Bon alors, c'est pas grave. Si t'en faut plus, eh ben je vais te faire. Cette fois-ci, je vais faire quelque chose de sympa. Alors écoute bien. Un KO. J'ai mis un KO pour Fredo. Un cadeau pour Fredo. Donc qu'est-ce que ça sera mon cadeau? Cette fois-ci, je demande à tous les internautes, à tous les... Parce qu'on ne fait pas du Muay Thai, cette fois-ci, on fait du kickboxing, du K1. Donc à tous les champions, parce que pour un champion intercontinental, intergalactique, Fred Sinistra, je demande à tout le monde de se mobiliser. Je veux que vous veniez tous et que vous offriez tous un cadeau à Fredo. Donc... Là, on a préparé un site spécialement pour lui. Donc, ça s'appelle fredocotorep.com. Vous allez se poser sur le site, sur fredocotorep.com. Vous pourrez laisser des béquilles, du sparadrap, des pansements, sirop, doliprane, antidépresseur. Tout est accepté. Manda cash. Vous pouvez même payer par PayPal. Et j'ai même fait une application sur iPhone. Fredocotorep.com. Attention, ouais, c'est bon. Pourquoi tu fais ça? Tu viens chez moi? Alors, qu'est-ce qu'il y a?